Bon, il y aura sûrement la voix des ondes de Rémi. Je sais que Christophe Langoiran vient aussi accompagner de son YL. Bon, moi je comptais amener ma fille, mais c'est dopé. Donc, je ne sais pas. Mais retour à toi, Eric. Incrustation. Oui, alors. Bonjour, Eric. Oui, c'est la voix des ondes. T'as tout compris. 88, tu vas bien? 88 à toi aussi, ben oui, j'ai bien, il y a 88 à toutes les stations. Ouais, il y a la tour de contrôle Michel, il y a Daniel Santor derrière, et puis là il y a Fredo aussi. Eh bien, bien de plaisir à tous. Et bien 88, retournez à la voie des ondes, et bien je passe de la part du doyen sur le Nord-Europe. 88 à toi aussi, Michel. Si, Michel. Ah, c'est Fredo, t'as entendu? Ensemble, oui, petit, mais qu'est-ce qu'il y a d'entendre la voix des ondes? C'est si rare, voilà, évidemment. Eh bien, 88 à la voix des ondes, tu entends les 33-51 ils vont m'entendre, du coup, alors, puisqu'elle répond. Voilà, donc je vous écoute, hein, je ne vous dérange pas trop parce que je sais que vous êtes bien organisé là dans votre truc, je voudrais pas vous faire dérailler, voilà. Donc retour à celui qui veut, puis je reste un petit peu en temps de bail, je vais vous préparer. Voilà. Derrière, c'est derrière. Vous avez entendu la voix des ondes? Vous êtes rapproché là, Rémi. On est sur la rocade, écoute, pas loin de la sortie 25. Alors Eric, on est sur la rocade, pas loin de la sortie 25. Ah oui, d'accord, ok. Mais dès que tu arrives au niveau, pas loin du pont François Mitterrand, tu veux tirer encore. Ok, ça marche. La voix des ondes est là aujourd'hui parce que la propague est hyper bonne. Alors, les signes, c'est en vrai qu'on prend la route. Tu es. Ouais, écoute, petit Uno derrière. Salut Uno. Je suis en train de j'entends des migraines, je suppose que c'est. Si je me trompe pas, voilà. Mais bon, bien sûr, et puis, bah, je suis en train de toucher le maquillage. J'ai entendu Michel. Bonjour Michel, et puis Eric. Il y a Fredo aussi, et puis ça va aller. On arrive au pont. On arrive au pont, François Mitterrand. Effectivement, ça se voit. Attends, excusez-moi, Fabien, le TV. Je disais qu'on arrivait, on était sur le pont François Mitterrand. Ok, bon, mais je coupe les émissions et puis je vérifie. Ça rappelle aussi. Attends, non. Non, coupe pas, Eric. Qu'est-ce que tu veux
veut. Un radioguidage ? Non, je ne comprends pas. Parce que Rémi voudrait un radioguidage. Ok, sort à la sortie, pas la maille, sortie 18. Ok, d'accord. Après, que tu calmes, tu as la sortie, quand tu as sorti au pont de la maille, tu serres complètement à gauche et tu repasses sur le pont, direction Jean Casino. Là. Tu vois où c'est ? Ah ben j'ai une mauvaise vue là depuis où on est là. Faut pas oublier de cliquer à droite et après cliquer à gauche hein. Là, on est à la sortie 20 là. Là on est à la sortie 20. Ouais, tu peux pas te tromper. La sortie 18, c'est celle qui est juste après la sortie de où tu prends le chemin pour aller à la route de Toulouse. C'est la sortie 18 après le pont de la Maille. Ok d'accord, ça marche. Dès que tu sors à la sortie 18, tu serres sur la voie de gauche et tu vas au fond, tu vas prendre carrément à gauche, tu repasses sur la rocade, sur le pont. Ok. Et là, tu vas toujours tout droit. Tu vas passer ta voie en casino sur ta gauche, tu continues toujours tout droit. Et arrive un moment où tu vas tomber à un giratoire où il y a un grand Renault, un concessionnaire, un gros giratoire, tu continues encore tout droit. Et sinon, t'appelles sur le 06, effectivement. Ouais, ok. Moi, je coupe. Salut à tout le monde. Okay. Parce que tant que je descends et tout ça, puis je vais trouver la route. Allez, bonne journée. Salut, Mimi. Et puis, tous ceux que je passe. Bye bye. Allez, bon courage, Mimi. Que c'est la bonne journée. Tu dois mettre les amitiés à tout le monde. Bye bye. Ok, ça marche. Allez, je coupe. Bye bye. À plus. Renvoie les 88. La voix des ondes, bah, tout le monde a QRT, hein. Ludo comme Eric. C'est ça, quand je disais que la propague était bonne, j'étais bonne. Je confirme, pour entendre la voix des ondes avec un signal de 7, c'est exceptionnellement que la propague est bonne. Eh oui. Surtout que je très mal sur l'image, et depuis l'image, ça passe bien, hein. Ah oui. Mais je sens pas pris. Bon, et puis surtout que pour savoir le nombre de personnes, ben comme l'année dernière, hein, ça va s'organiser sur place, quoi. Si on peut appeler et réserver au moins pour une vingtaine de personnes, parce que c'est pas combien on sera, au moins 20 personnes, parce qu'après, bon, si on n'est pas 20, c'est pas grave. Mais bon, au moins on aura tout le monde. Oui, voilà, oui, vaut mieux prendre un peu plus que pas assez, au moins on soit tranquille comme ça. C'est ça.
Ok, d'accord. Voilà, on attrape la bretelle de sortie là pour attraper la route d'Arcachon. Essayez de récupérer la famille. Oui, il est là, il est dans le couche. Ça va, il bouge pas trop. Je sais pas, j'ai la voiture qui se coud dans tous les sens, mais bon, à part ça, ça va quoi. Ils m'ont attaché. Ah, on l'a mis dans le siège auto. Ils m'ont mis dans le coffre. On l'a mis dans le siège auto quoi. Il fait 3 degrés. Putain, mais c'est pas la température que j'ai dans le push, moi, en tout cas. À l'extérieur, il fait 3 degrés, mon client. Ouais, il y a ta moustache, il y a un QSO parallèle, hein, ou sur le canal d'à côté. Quand je suis sur les points zéro, je peux pas. Ok, oui, mais là, entre Saint-Jean-d'Iac et Pierre-Bretonne, là, il y a 3 degrés là, en poulet. Hein. Ah oui, quand même. Mais non, mais déjà Martignas, je t'en parle pas, il faisait 2 degrés, j'ai gagné 1 degré, et en plus c'est en roulant. Alors bon, mais enfin, ça va, il fait 3 degrés, mais il fait pas froid, hein, parce que je suis en t-shirt là, enfin pas t-shirt, mais en polo, la manche courte, et bon, ça fait frais, mais bon, c'est supportable, hein, c'est pas des moins de 10, hein. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Pascal, est-ce que tu es derrière? C'est là que je peux pas. Mon Pascalot, est-ce qu'il est derrière le Pascalot? Ok, Michel, est-ce que tu es derrière? Ok, bah tiens, on est en train de passer là à proximité là, de là où il y avait Radio M33 avant. Hein. Tu vois le coup que tout à l'heure on va atterrir à la frontière là-bas en Espagne, chie. On va aller faire le plein au col d'Hibernine. Ah, moi ça y est, c'est fermé, là. Je viens de faire un carburant, là, je vais aussi arrêter à Martinez, là. Comme ça, je file. Chez nous, on appelle ça des chamomouilles. Les chamomouilles avaient leur bim. Putain, il suffit que je parle du col d'Hibernine pour que ça soit la cacophonie là-dessus. Aïe, 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 aïe. Là un peu plus, tu as les 7009, tu as le 9009 aussi qui l'a. Je m'entends sur Pierre-Bretonne, là, René. Ok, ben toi, moi je suis en train d'attraper la sortie 25, la sortie Cestas. Pourquoi vous êtes à l'entrée si vous allez sortir? Ah ah! Entrer, sortir, ça t'inspire pas ça, Michel? Ah si, j'ai pas le droit de dire. Il faudrait que ça soit loin, quoi, parce que si ça avait été par buffle, j'aurais roulé tranquille. Non mais disons que si Rémi est là, ça veut dire qu'on n'a pas pris ma voiture. Ah mais un peu sûr. Ah mais je croyais que t'avais mis la radio dedans. Non, alors là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Oh, c'est bien tout à l'heure même, tiens. Eh, c'est ça. Chacun son truc. Allez, on y va.
fermé les enfants, hein, on pourra pas y aller. C'est ça, oui. Juste à côté du VIP, c'est là, qui a pas l'air mal aussi. Mais bon, l'autre, c'est vrai qu'on a quand même plus de place, donc je pense que ça sera mieux là-bas. Non, il y a une C5, mais c'est pas notre ami. Putain, et Pascal, il a réussi à se garer juste devant l'entrée, quoi. Il est déjà là-bas ? Ouais. J'arrive avec les vitamines. Ok, j'ai trouvé une place là, un petit peu en vrac, je pense que ça devrait pas être mal. Il y a des mondes là où il y a déjà du monde derrière nous ou pas ? Ah bah oui, parce qu'au niveau place, là, ça commence déjà à être short. Hein. Là, je vais faire descendre tout le monde là de couche. Hein. Et je vais me mettre là, je vois, il y a un muret là à côté de moi. Là, je vais essayer de grimper un peu sur le muret pour me garer. Ah, chie trois coups. C'est pas ici le muret, c'est pas là. Bon, mais de toute façon, s'il y a pas de place, je ne me garerai la gare, hein, tant pis. Hein. Voilà, oh je pense que si, mais je cherchais simplement là à me mettre plus près, quoi, c'est tout, quoi. Ok, d'accord. Bon, bien écoute, j'essaie de faire plus vite, là, comme c'est limité à 50, donc toi, t'es arrivé plutôt plus vite que moi, là-bas. Mais, et franchement, vu l'heure, je suis arrivé plus tôt que prévu, parce que je pensais arriver à 8h. Ben ouais, non, mais c'est ça, quoi, et tu vois, il est... Ouais, ben c'est ça, hein, 8h09, bon, et à 10 minutes après, on n'est pas 10 minutes après. Voilà, je suis en train de manœuvrer, là. Ok, je l'entends plus là. Ok, à plus, Michel.